fondamental de début d'une défense. On défend d'abord avec le meneur de jeu. C'est le meneur de jeu qui fait pression. Avant de parler de technique, on ne parle pas de technique, on parle de volonté. De volonté et de cœur. De cœur pour soi, de cœur pour l'équipe. C'est lui qui va montrer à l'équipe qu'il a du cœur. Et l'équipe n'aura jamais de cœur si le meneur n'a pas de cœur. Alors après, on engrève la défense. On met la main là, on met le pied là, on regarde comme ça. C'est après. En défense, vous avez un peu de liberté. Essayez de gagner le ballon pour 6 secondes. Hein, donc ne prenez pas trop de risques. Okay. D'accord. Ne prenez pas trop de risques en défense. Dès que le ballon va rentrer en ce processus-là, regarde ce qui se passe tout de suite. Toi, vous pouvez aider. T'as intérêt à partir. On a intérêt à le laisser en 1 contre 1. Hein, ne te rapproche pas trop de lui. Et on voit. Vous montez juste le ballon pour le moment. Pareil. On s'arrête dès qu'on a passé le milieu. Allez, gagne un peu de temps. Gagne un peu de temps. Bien, super. Contrôle un peu. Allez, contrôle un peu. Pas de milieu. Allez, contrôle un peu. Bonne défense. Bien. Encore. Bien. 19. Encore. Ok, ok, très bien. Encore, encore, bien. Encore, encore, correct, c'est bien. Allez, bien, 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 bien. Attention, stop, ballon là-bas dans le coin. Attends, stop, stop, t'as le ballon dans le coin. Voilà, tu vas te retrouver là un peu en danger. Toi, dès l'instant le ballon, voilà, il faut que tu donnes l'espace. Et toi, c'est pareil. Qu'est-ce que tu restes un peu ici par rapport à lui? Et toi, t'as pas bougé d'un centimètre. T'es resté là. Le ballon est arrivé là-bas. Défensivement, tu dois voir ce que tu peux peut-être faire par rapport à lui. On dit on saute au ballon. Ça, c'est primordial. Lui, il est en défense ici. Le ballon est là-bas. Il voit ce qu'il fait en défense. Il vient par là. Déjà. Il voit ce qui se passe.